Attends, on va m'expliquer quelque chose. C'est quoi? I went to the hospital here because... You went where? In the hospital. The like, hospital? No, somewhere to check my... like the results to see whatever is disturbing. Are you an American sister? Okay, go on. Daddy, I'm your daughter from Ghana. Oui, sa maman est où? Where is her mother? Oui, je vois. Venez, maman, venez. Oui, je... You were in America. Yes, Daddy, I was staying there. Exalté parmi les peuples. What it is? We took the examination, but they couldn't find anything in my back. Yes. I have problem in the back; it hurts, and then the stomach too hurts. Like the stomach, there's something roaming there, but I don't know what it is. So it hurts you? No, this does not hurt, but it's just strange, like strange moves. In my belly, in my stomach. Your stomach? Yes, please. Now in your back, what is the problem? The back, it hurts inside. It hurts? Like in the waist line. Yes, yes. But as now, are you feeling anything? If I bend down or stand for too long. Yes, you will feel it. Yes. Come, follow me. We'll test it now. Haha. Théâtre voisin, guérison instantanée. Elle dit qu'elle a un problème sérieux au niveau. C'est notre fille, our American sister. Elle est aux États-Unis, Ghana. Le diable a voulu détruire sa vie. Mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, par la prophétie, elle est venue. Selon la parole que l'Éternel avait adressée à sa mère. Tu ne célèbres pas cette intelligence. La prophétie, c'est bien. Prophétie. Ça s'accomplit. Maintenant, la voici. Elle est la preuve. She's a proof. Palpable. De l'efficacité de la prophétie. C'est ça, non? Elle parle anglais. She speaks English. C'est pas l'anglais que tu me battes ici avec. Voici le vrai anglais. Ça, c'est maintenant le vrai anglais. I was in the hospital. Tajitia hospital. Voilà. Hospital. Maintenant, nous allons faire quelque chose. Elle dit qu'elle ne peut pas rester debout longtemps. Elle ne peut pas se courber. Et ce problème-là a mené à l'hôpital. Voici ça. On a fait les examens. Vous voyez, tout ça là. Et le ventre. Maintenant, nous allons la mettre à l'hôpital de Jésus-Christ sur son test. Yes, maman. Papa, pardon, il y a des choses qu'elle. Peut-être elle oublie. Elle dit qu'elle mange même ses pertes blanches. Elle dit qu'il y a les. Elle fait même 4 mois, elle ne voit pas ses menstrues. Et ce que elle dit dans le ventre là, elle dit que ça se déplace. Quelle pâte blanche on fait quoi? Pardon, papa. Quelle pâte blanche on fait? Elle mange. Et ça mange? Elle mange ça, elle enlève et met dans la bouche. Ok. C'est pour ça que venir à l'île de prière, c'est bien. Non, déjà. So, mama, you understood what she said? Hein? Yes. There's some time you eat pâte blanche. Is it true? Yes, sir. Does it happen to you? Yes, it does. I told mommy. Okay. It was hard for me to tell her, but yes. I had to tell her. No, it's wonderful. You have told her. It just shows that you are a courageous woman. You are very courageous. But what is the name of pâte blanche in English? The white starch. White starch. Starch. Like starches, yeah. Starches. Yes. Thank you. Is that? Now you are my English teacher and I'm your prophet. I pray for you now. Okay, Mama Tene. Je l'amène devant pour que les gens voient. Elle dit qu'elle est pour mon ventre et puis que le dos fait mal. C'est ça. Ok. Il y a le mouvement qu'elle ne peut pas faire. Il va rester debout. Donc on va laisser ça. Je prends une bouteille d'eau.
je prie au nom souverain de Jésus. Parce que Satan est vaincu dans la vie de cette jeune femme. On ne parlera plus jamais de toutes ces choses qu'elle a ressenties. Au nom souverain de Jésus. Satan, que le Seigneur te réprime. Je commande au nom de Jésus-Christ que ta main soit retranchée dessus la vie de cette femme. Jeune femme, passe tôt. L'Éternel t'apporte une délivrance redoutable. Et il t'arrache de la main de ton ennemi avec violence pour te rétablir dans ta destinée. Au nom précieux et souverain de Jésus-Christ qui m'a appelé. Amen. Drink, open, drink it. Que le miracle de guérison s'opère maintenant. Amen. Je libère ta main dans sa vie. Merci parce que ce n'est que du passé. Gloire à Jésus-Christ. Do you believe that you are healed? Do you believe? I do. Okay, I believe in Jesus. Thank you, Father, for her deliverance and for her healing. In the name of Jesus. Amen. Okay. In Jesus' name. Do the movements. Check. Check, check. You can run, you can jump, you can do everything you want just to ensure yourself that the miracle is real, that the thing has happened. Do what you want. Run, jump, cry. Yes, I'm feeling good. Oh, I'm feeling good. Oh, wonderful. Okay. Now, Mama, she's free. Eh? She has been healed. Thank she's you. Delivered. Yes, because this was a spiritual attack. Huh? But now she's free. The demon has gone, has left Thank her. You, Jesus. So, as from today, are you happy? You are happy? Yes, please. Okay, what do you want God to do for you now out of the healing you have got? Daddy, I want to go back to America. Oh, I like that. No, I like that.